mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. Effectivement, ils se suivent et ils vont jusqu'à l'autre côté de l'auberge pour aller voir Mr. Scapty. Vous savez assez facilement que c'est lui parce qu'effectivement, on vous l'a décrit comme un demi-ogre, donc il n'y en a pas une dizaine dans ce village, c'est assez facile de le reconnaître. Ça doit être Hank, ça, non? Non, c'était 20 minutes chrono. Ah, bon, ça va. Vous y allez, du coup, et Scapty vous accueille en regardant les loups de façon assez amusée. Ah, c'est génial, quoi. Okay. Bonjour. Bonjour, Scapty, je peux dire. Alors, attends, je vous fais venir, parce que... bonjour. Alors, on s'amuse avec des petites bestioles, à ce que je vois. Ah, moi, j'avais prévu de les emmener dehors, hein. De les laisser dehors, les deux loups. Si c'est possible. C'est pour ça que vous êtes dehors. Ah, ok, d'accord. Et vous voulez que je vous les garde pendant que vous allez dans l'auberge? Je pense que ça va être compliqué pour vous de les garder à l'intérieur, hein. Surtout qu'en plus, ils vont pas tarder à cuire les viandes, donc à mon avis, ça va être compliqué. Vous les gardez, donc vous pouvez les héberger pendant la nuit, et je les récupère demain matin. Ouais, ils sont domestiqués ou pas? Oui. Et est-ce que vous pourrez leur donner un peu à manger aussi? Oh bah, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut à manger, vous inquiétez pas, j'aime bien ces petites bestioles. Et du coup, tu vois qu'il vous laisse un petit peu en plan. Il va dans sa petite cabane, il sort deux gros morceaux de viande. Et il les pendouille un petit peu au niveau des loups pour les attirer vers lui. Et dès qu'ils arrivent, il lâche un petit peu les viandes quand même. C'est bon, vous pouvez y aller, je m'en occupe. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Est-ce que vous savez qui sont les propriétaires de cette auberge? Oui, bien sûr, c'est Georgia, c'est Katina. Un vieux couple bien accueillant, vous allez voir. Vous allez passer un bon séjour ici. Ceci dit, je vous dirais, vaudrait peut-être mieux éviter de rester avant que les patrouilles arrivent ici, hein.
Ou alors faudra cacher les loups. Des fois que. Et... Il pourrait peut-être mal le prendre, voyez-vous. Ne vous inquiétez pas, je pourrai défendre les loups sans souci. Et les patrouilles, elles quand, par curiosité? Oh, bon. Là, je crois qu'en ce moment, ils sont pas mal occupés. On devrait pour les voir demain matin. Ok, très bien. Je pense qu'ils vont, il va peut-être y en avoir nuit devant devant le la palissade, mais ils vont pas s'arrêter, ils vont tracer, ils vont pas voir les loups. Ok, bon, je vous fais confiance, Scapty. Je vous laisse pour la nuit et je viendrai les chercher demain matin, première heure. Ouais, ouais. Merci encore. Bah, de rien. Quand on a des gens qui éduquent ce genre de petites bêtes, et je trouve ça bien, moi. C'est bien de prendre soin de la nature. Ouais, complètement d'accord. Bon, allez-y, parce que là, vous êtes un petit peu en train de mouiller, là, les gars. Effectivement, nous prenons un petit douche. Allez, bonne soirée, Scapty. Oh, bah, je vais peut-être... Oh, non, je vais manger chez moi ce soir, j'ai pas envie de voir du monde. Ah, bah si, c'est vrai, il y a la jeune fille, là. Une jeune fille, vous dites? Ouais. Ouais, enfin, il y en a deux, mais il y en a une. Elle m'a fait un petit sourire tout à l'heure. Oh. Très, très intéressant. Et elle s'appelle comment? Je sais plus. Je sais qu'elle est mignonne. Ah. Oh, très bien. Dans ma tête, je me demande les critères de beauté des ogres. Mais je t'en prie. Très très bien, j'ai hâte de la rencontrer. Eh bien, je vous la présenterai si vous voulez. Je crois que j'ai, je lui ai tapé dans l'œil. Mais bon, allez-y. Bon, je vais suivre mon compagnon parce que je vois qu'il est parti avant moi. Oui, oui, bah, je pense que lui, il doit pas aimer les femmes. Alors ça, c'est petit d'attendre que je sois parti. Bah, du coup, on s'approche de l'auberge, du coup. On... Vous arrivez, vous êtes accueilli non pas par Katina qui est encore en train de cuisiner, et Georgia qui vous voit arriver. Il vous voit de loin. Commencez à rentrer dans l'auberge. Messieurs, rentrez, excusez-moi, je suis en train de préparer la viande. Oh. Vous êtes Georgia, je présume. Wow, je suis si connu que ça. Pas du tout, c'est votre ami Scapty qui nous en a parlé. Ah oui. Ah, il a la langue bien pendue, mais bon, c'est normal, il faut bien qu'il fasse de la publicité pour l'auberge. On est bien heureux de l'avoir. Bon, je vous propose peut-être de déposer vos affaires dans une des chambres par ici. Est-ce que vous restez déjà pendant la nuit déjà? Moi, je pense que oui, vous n'allez pas repartir du temps là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oh, une nuit après, oui. Ah oui, une nuit. Mmh. D'accord. Eh bien, il me reste des chambres disponibles. Alors du coup, il vous demande de le suivre. On va le suivre. Bah ouais. On lui envoie tout ça. Et il vous dit, si vous voulez, ici nous avons deux places ici si vous souhaitez. Vous avez une sorte de voisin un petit peu grognon à côté, mais si vous voulez, je peux vous mettre à côté. Et là, vous serez peut-être. Mais bon, les murs sont fins, donc si jamais il grogne, vous l'entendrez quand même. Quand vous dites grognon, qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, je sais pas, je l'ai senti un petit peu froid et gêné. Non, mais la première chambre, ça sera très bien. Ouais, parfait, moi je prends la deuxième qui est qu'une seule chambre à tenir. En espérant qu'il n'y ait pas trop de ronflements cette nuit. Mais quand il vous entend dire ça, bon, vous savez, hein, je pense que malheureusement, l'épaisseur des murs n'empêchera pas les bruits. Mais bon, vous avez un minimum de... Ah oui, pendant
Pendant qu'on y est, très chère Georgia, oui. Nous souhaitons vous prévenir quand même que nous avons laissé deux petits paquets auprès de Tapti, donc si vous entendez des bruits de loup, il ne faudra pas s'inquiéter. Des quoi? Des petits bruits de loup. Deux animaux domestiqués qui sont restés avec Tapti qu'on a mis. Ah oui, des moutons. Non, des loups. D'accord. Nous les avons trouvés dans la forêt et vu qu'ils nous ont aidés, on a décidé de les emmener en lieu sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Vous leur avez donné à manger quand même? On a demandé à votre homme de s'en occuper. Oui, enfin, j'espère qu'il va s'en occuper parce que nous avons un cheval en convalescence, donc j'aimerais pas trop qu'ils aillent le bouffer quand même. Non, ce captif s'en déchargeait, on l'a vu faire, et oui, il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Donc... D'accord. Bon, je vous fais confiance. Installez-vous et on vous appelle d'ici une demi-heure, le temps de cuire la viande. On m'a parlé qu'il y avait deux jolies jeunes femmes qui étaient arrivées. Oui, enfin, joli, vous savez, ça met pas, hein, les gars, c'est... Faut pas non plus aller les embêter non plus, hein. Voyons, je suis un gentleman, je ne vais pas embêter les jeunes filles. Bien, c'est une bonne chose. Faites attention à elles, quand même. Ce sont des clients, mais si elles s'intéressent à moi, je vais pas dire non. Oui, enfin, faut pas faire trop d'histoires ici, quand même, hein. Ah. Et il vient de dire que les murs sont fins. Bien. Est-ce que je peux... est-ce que vous avez de quoi soigner une petite morsure? Oui, je vais demander à Katina pour voir si elle a pas une petite fiole magique par là. Oh, merci beaucoup. De rien. Du coup, on vous la donnera à table. Bien sûr. Du coup, je vous laisse. Ah, c'est bien un sûr. Service que vous proposez, les petites... petites fioles de guérison. Enfin, si nous nous en avons, hein, c'est pas dit. Hein. Enfin, moi, c'est juste un bandage, hein, histoire de... Je pense que si vous voulez avoir plus de fournitures, il faudra aller voir ma fille. Et où pouvons-nous la trouver? Je crois qu'elle est partie s'abriter sous la grange avec l'autre nain, là, comment il s'appelle, avec sa charrette, là, tout pourri, là. Tim Ménès, là. Ah, permettez-moi de vous dire que vous avez une très jolie fille. Calmez-vous quand même, hein. Elle est pas dans vos corps, celle-là. Elle est un peu trop jeune. Elle est très prometteuse. Tu vois qu'il commence un petit peu à s'énerver, là. Moi, je vois qu'il part sur ce terrain-là. Je vais dans ma chambre, je ferme la porte. À tout à l'heure. Et je ferme la porte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup, il retourne en cuisine. Toi, de ton côté, Hank. Tu vois Georgia un petit peu énervée qui revient voir Katina. Mmh. Elle dit on a deux gugus là, il y en a un des deux, on va falloir le surveiller de près parce que il regarde notre fille là, c'est un mec pervers ce mec là. Et sa femme lui répond: bon, et c'est lequel des deux là? C'est celui là qui fait un petit peu beau gosse là. Ah ouais, bah on va le surveiller celui-là. Informe-en LP, je pense que elle va l'aligner, on va le voir. Et du coup Katina part dehors rejoindre sa fille. Et du coup Georgia continue de préparer sa viande, il te regarde, honte. Mmh. Sans trop te parler, Messire Renin,
J'ai un petit peu oublié de vous demander, mais vous avez peut-être envie de boire un coup, je pense. Ah, ce sera pas de refus. Qu'est-ce que vous avez? Oh. Sans alcool, je le précise. Ah, sans alcool. Oh là là, on a des spécimens aujourd'hui. Pardon. Bah, écoutez, nous avons de l'eau. Uh-huh. Ça vous va? Alors, si vous avez rien d'autre, on va partir bah, pour de l'eau. Nous avons sans alcool, un jus de pomme. Ah, bah ce sera, c'est déjà un peu plus intéressant. Apportez-moi du jus de pomme, s'il vous plaît. Du coup, tu vas avoir une vieille bouteille, ça a l'air d'aller à l'intérieur, ça a l'air d'aller. Une mythe verte, effectivement, ça ressemble à un jus de pomme. Un peu foncé, mais ça ressemble à un jus de pomme. J'arrive sur ces entrefaits, et je dis, est-ce que je pouvais avoir une bière pour ma part, s'il vous plaît? Puis je me tourne vers le monde, et je me dis, accepteriez-vous de trinquer avec moi? Du coup, il te voit arriver, il sursaute un petit peu, mais sans renverser le verre de honte. Et oui, bien sûr. Du coup, il repose le verre de jus sur la table et il va se charger de la bière de mademoiselle. Merci. Et du coup, il te laisse passer. Je m'assois. Ou dois-je trouver une autre table? Asseyez-vous donc. Je me prénomme Ilana, et vous? Moi, c'était Ankt. Du coup, il vous amène vous deux. Bonne, je ne dirais pas ça. Vous êtes plus bon qu'arrivé. Oh, pas grand chose. Quelques difficultés en chemin. Des bandits peut-être? Non, non. Moins coriace que des bandits, mais embêtant. J'espère que vous allez bien. Oh, moi, aucun souci. Monsieur le MJ, dans les chambres, on entend tout puisque les murs sont très fins, c'est ça? Oui, donc t'entends parler. J'entends à moitié la conversation. De... J'entends pas ce qu'ils disent. J'entends qu'il y a du monde, c'est ça? Ouais, t'entends qu'il y a du monde, c'est un petit peu loin. T'as quelques mots qui passent mal à tes oreilles parce que comme il y a le feu et la viande qui crépite un petit peu, t'as un petit peu du mal à entendre. Bah, je reconnais la voix de Ilana, donc je vais la rejoindre, je pense. Je termine ce que je suis en train de faire. Je laisse mes affaires avec Prune dans la chambre et je descends. D'accord. Alnar et Erin, c'est pareil, vous entendez aussi les voix. Okay. Un petit peu plus loin, bien sûr, mais vous entendez plus loin. Okay. Du coup, je vais me lancer une petite prestidigitation pour me faire un petit parfum. Histoire d'être dans la meilleure condition. Et je vais aller rejoindre le groupe. Ouais, pareil, si j'entends une conversation qui est dans la salle commune, je vais aller voir ce qui se passe. Après. Eh bien, messieurs, vous voulez boire quelque chose? Une bière pour moi, s'il vous plaît. Bien. Bah, la spécialité locale, c'est... la bière. Et bah alors deux. Mademoiselle Atalise? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un lait? Oui, bien sûr, nous avons un petit lait. Oui, effectivement. Lait de chèvre, lait de vache, quelque chose dans ce goût-là, s'il vous plaît. Lait de vache, nous en avons dans le coin. Alors, je veux bien un lait de vache, s'il vous plaît, merci. Okay. Du coup, Elnar te regardera, Atalise, et dirait, vous êtes Atalise? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Je suis Alnar. Enchanté. Enchanté. Ok.
Qui prend ta main pour te faire un baisement? Elle retire sa main. Elle dit oui, je ne mérite pas tant d'honneur. Et elle te serre la main du coup. Vu que t'as la main dans la sienne, elle te serre la main. Je suis juste derrière, je lève des yeux aussi, en souriant. Je rigole pas, mais je souris. Du coup, il dira, connaissez-vous un certain Hermirion? Ah oui, tout à fait. Nous avons fait sa connaissance hier. Vous l'avez rencontré? Effectivement. D'ailleurs, il sortira une pièce d'or et il te la remettra de la part d'Hermirion. Il m'a parlé d'un tronc. Tout à fait. Alors là, elle sort son tronc, évidemment, puisqu'elle elle ne se déplace jamais sans. Et elle te le tend comme ça avec un grand sourire. Ah, soit-il béni. Il glissera la pièce d'or. Ça fait un bon bruit. Et elle le raccroche à ses affaires. Alors, et qu'est-ce donc ce tronc? C'est le tronc destiné aux bonnes œuvres de la déesse Aliana. Oh! Enfin, du culte d'Aliana.